RSS Suède, transmise depuis Stockholm et commentée par Léon Zitrone. De glace Stockholm, où se déroulent les championnats du monde de hockey sur glace. Nous allons assister ensemble au match Suède, dont vous voyez ici le gardien de but près de la culotte alors que le maillot suédois ne le comporte pas. Enfin, lorsque vous les voyez de face, les Russes portent sur leur maillot les lettres latines CCCP qui sont en russe en caractère cyrillique SSSR. Vous voyez une cage, c'est la cage des Russes qui est tombée. SSSR, c'est-à-dire les initiales des quatre mots qui en langue russe signifient Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Les messieurs qui réparent la cage, ce sont les deux arbitres. De dos, l'arbitre canadien, M. Joyal. En face, M. Trumbull des États-Unis. Et à droite, donc, l'homme au masque, c'est Singer, le gardien de but soviétique. Je répète donc, les Russes en blanc et rouge, et ces lettres SSSR, CCCP, en somme en caractère latin, jouant à droite et tentant de marquer à gauche, tandis que les Suédois, eux, ont un maillot, vous voyez, voici le Suédois 17 Olson de dos, leurs manches sont plus cerclées, leurs bandes sur les culottes sont plus larges, et leur maillot est blanche, blanche comme en comporte celui des Soviétiques. Le 11 soviétique perçoit, vous voyez, en bas de son maillot, au-dessous de l'arrêt, quelque chose au-dessous de l'arrêt du maillot, au-dessus du cercle du maillot, encore une sorte de frange blanche. J'espère que vous allez reconnaître les joueurs facilement, d'autant plus que la partie est une partie extrêmement ardente. Les Suédois ont, les Soviétiques ont pris l'avantage par 1-0, puis les Suédois ont égalisé 1-1, ils ont pris l'avantage par 2-1. Au début du deuxième tiers-temps, les Soviétiques ont égalisé à 2-2, et maintenant on est parti pour la troisième période. Et je dois vous dire que le public n'en croit pas ses yeux, le public est ravi de voir l'équipe suédoise tellement bien résister aux Soviétiques, à pénétrer au-delà de la ligne bleue de la ligne de défense des Suédois avant que le palais y fût, et c'est pourquoi il y a un engagement. Vous voyez ici lequel trouve un arbitre sous ses pieds, passe en arrière joliment au 18 Maltsev. Mais l'arrêt de Holmquist a été de 61-62, et depuis il a fait une merveilleuse carrière puisqu'il a été 107 fois international jusqu'au début de ses championnats. C'est son 109e match international. 109. Qui dit mieux? Les Russes vont tirer dans le but suédois. Oui, 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 et ils ont marqué. Et devant vous, Starchinov, le 8. Au moment même, regardez là, comment ça s'est passé, c'est le magnétoscope, voilà, vous voyez, voilà, au ralenti, et au moment même... Si pour une fois ils arrivaient à les battre, et ils ont mené au début, ben ça serait vraiment l'élection. Au tir, Singer est sorti de la cage. Non, ça serait même... Mon grand frère Lacoste, correspondant à Stockholm. Non, non, François, tire chez toi, non, 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 non. Beaucoup de joueurs sur le terrain... Tomber sur le champ d'honneur, repoussez-les, messieurs les arbitres. Oh là là, ça signifie que le jeu va devenir dur, le jeu va devenir rude. Le jeu va devenir rude. L'émission dure depuis 15 minutes, on joue depuis 8 minutes 47. Trois à deux pour l'Union soviétique. Là, il y a là, je pense, une amélioration à apporter. C'est l'arbitre canadien Joyal qui va faire engager. 3-2 pour l'URSS. Les Suédois. Tire! Non! Oh, Singer a arrêté! Oh, formidable! Formidable! Une partie de jeu d'une pureté merveilleuse. De tir de la gauche de la part d'un avant suédois qui devait être Sterner. Attaque russe sur la gauche, Yarouchev. En arrière, tir russe. Passe à côté de la cage à Holmquist. Nouveau tir. Holmquist arrête encore. C'est un festival
C'est un festival réellement de très beaux arrêts de la part des deux gardiens de but, Zinger et Holmquist-Val. Zinger a peut-être plus de détente et Holmquist plus puissance. Et, ou debout ou à genoux, défendent leur but tant qu'ils le peuvent. Mais la fatigue commence à faire son œuvre. Chute là-bas, oh là là, pourquoi? Mais non. Holmquist, mais non, monsieur Holmquist, je ne pense pas que Mikhailov. Depuis 15 minutes 22, toujours 4 à 2. À nouveau attaque. Lundstrom tire. Oh, Zinger a vraiment dégagé. Bien dégagé. Nouveau tir suédois qui repart après un rebond au-dessus de la cage de Zinger. Vous savez, un tiers-temps dure une quarantaine de minutes, 42 minutes. Et puis il faut encore avoir. On joue depuis 18 minutes 12. À nouveau le 14. Dernière attaque suédoise. Les Suédois pressent les Soviétiques sur leur but. Zinger sort de la cage, ramasse avec la main gauche en tombant. Et tout le monde tombe comme ça, on tombe un petit peu les uns sur les autres. Si je me réfère à ma fiche, le 3 pèse, mon Dieu, combien il pèse ce 3, Ragoulin, 100 kilos. Kouskine pèse 88 kilos, autrement dit, le gardien de but, Zinger, a eu 188 kilos de bon poids soviétique sur. Nouvelle attaque suédoise. Oh, il l'a peut-être, il était offside, l'arbitre n'a rien vu. L'arbitre n'a rien vu. Oh là là, ils font ce qu'ils peuvent. Avec les crosses, avec les mains, avec les pieds. Nouveau tir suédois. Mon Dieu, dans la dernière demi-minute, vont-ils marquer?